Prenez, mangez, voici mon corps, livré pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur. Siméon Yampa, 34 ans, tué dans l'attaque terroriste de sa paroisse à Dablo, au Burkina Faso, lors de la messe dominicale du 12 mai 2019. Les assaillants ont assassiné le prêtre ainsi que 5 fidèles avant de brûler l'église. Le jeune vicaire, ordonné en 2014, était, selon des témoignages, humble et plein d'amour. Père Cecilio Pérez Cruz, 35 ans, tué par balle dans la nuit du 17 mai 2019 dans son presbytère. Curé de San José la Marada dans l'ouest du Salvador, il venait de fêter ses 10 ans d'ordination. Simple, joyeux et dynamique, il avait créé au sein de sa paroisse un groupe de jeunes auxquels il consacrait beaucoup d'énergie. Sœur Inès Nieves Sancho, 77 ans, assassinée, probablement égorgée dans la nuit du 19 au 20 mai 2019 dans le village de Nola, au sud-ouest de la Centrafrique. Membre de la communauté des filles de Jésus, dont le berceau se trouve dans le Tarn, en France, la religieuse franco-espagnole vivait en Afrique depuis 1996. Elle y tenait une école de couture pour aider les femmes à retrouver leur dignité. Pour la messe de dimanche, on s'était bien habillé, on s'est mis sur le canapé et on a installé l'ordinateur et les enceintes. Bah, ça faisait plaisir de revoir nos prêtres. Moi, notamment, l'homélie, ça m'a beaucoup parlé parce que Thibaut, c'est mon aumônier scout. Bah, on trouvait que la messe à la télévision, bah, c'était souvent un peu triste. Et là, ça faisait plaisir, il y avait la guitare du père Clément qui accompagnait bien. C'était vraiment chouette de voir notre paroisse malgré le fait qu'on soit sur le canapé et puis de savoir que tout le monde était avec nous, ça faisait vraiment plaisir. Les chants étaient affichés sur l'écran, si bien qu'on pouvait chanter tous ensemble, on n'avait pas besoin d'avoir de feuilles et c'était chouette de savoir qu'on chantait tous ensemble. Donc la messe à Saint-Justin, c'est validé pour notre famille et on encourage à tous les paroissiens à faire de même. Mars 2020 à Grenoble. Les habitants de la ville sont confinés dans leurs maisons. Les écoles sont fermées, les rues sont désertes, les églises sont vides. Les petits chanteurs se réunissent grâce à leur téléphone. Alors là, je suis chez moi, et je suppose que vous aussi. La chorale continue. Pour vous chanter ce chant de paix et de confiance. Il faut qu'on fasse des choses positives. Aujourd'hui, on monte un petit concert. Le concert virtuel. Comment faire? Se filmer.